donc une montagne couronnée d'argent. Ouais. Je me demande bien ce que la jungle nous réserve aujourd'hui. Oh. Et salut à tous les amis, c'est Grastis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Shadow of the Tomb Raider. J'espère que vous allez bien, mon point à part ça va. Un peu secoué de la fin de l'épisode dernier, parce que ça me rappelle des vieux souvenirs douloureux. Qu'est-ce qu'on me demande de faire si j'ai pas tout compris? Oui. Bien. Nouvelle compétence. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre sur ce point de compétence? Non, s'en fout. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est parce que ça... Ouais, avec le 2. Ouais. Bon, je peux pas vraiment mettre le point de compétence quelque part. Bon, on va continuer cette aventure. Hé, attends-moi, Jonah. Et il court, le mec. Rien, qu'est-ce qui se passe? Bon sang. Ah, je vois, on peut faire des tours pour aller rechercher des trucs un petit peu oubliés par lors d'un précédent passage. Non, il ne me suit pas. Ok. Ah! C'est une caméra X700. Sam en avait une. J'en étais tellement jalouse. C'est exactement ce qu'il faut pour partir en expédition à la recherche d'une civilisation oubliée ou d'un monument. Sa présence ici prouve bien que des gens sont venus dès les années 80. Même si le monde moderne se moque d'eux, certains rêvent encore d'anciennes légendes. L'objectif est fêlé. On dirait presque qu'il a reçu un projectile. Ouais. J'ai vu le symbole d'apparaître au dernier moment. Toujours plus d'XP. Wow! Ah, je vois où je suis. Et le tombeau, il est là-bas au bout. Voilà, il est loin. Il y en a encore un autre là en bas. Fouah. Ah, monolithe. J'en ai loupé un. Aïe. Je pense pas que ce soit une bonne idée de faire ce que je fais, mais je le fais quand même. De toute façon, si je me perds, bah c'est pas grave, je reviendrai où j'étais, et puis point barre, on n'en parlera plus. Le voilà. Toujours là la grenouille? Elle est toujours là. Ugh!
Voilà. Beau mécanisme ça. Mon dieu, quel bruit horrible. Ça doit représenter l'un des seigneurs de Shibalba. Shibalba. C'est pour dire qu'elle va pas de compétences à dépenser. Ben, je l'ai pas encore utilité. Je vais boiter un peu. La fatigue. Ah, c'est rassurant. Bon petit pont de corde là. C'est ici qu'on amenait les accusés pour qu'ils se battent sous le regard attentif des dieux, seuls juges réputés infaillibles. Ceux qui prouvaient leur innocence pouvaient partir, mais les coupables étaient exécutés et envoyés à Shibalba. Shibalba. Ça dit Shibalba. On prononce pas le X. Incroyable. Le X, on prononce Sh. C'est un terrain de Pokédex. Terrain de quoi? Terrain de quoi? J'ai pas entendu. La musique fait tellement de bruit. Il faut que j'arrive à relever l'échelle. Oh là 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 là. Ça sent l'énigme foireuse, si je puis dire. Bien. C'est peut-être la sortie. J'arrive à relever l'échelle. Oui, c'est totalement la sortie. Ouch ! Ça fait mal. Bizarre ce truc par terre là. Je dois pouvoir relever cette échelle. Oui, ça j'avais compris, Lara. Dans ça. Bien dans ça. Oui, mais non, c'est pas tirer le sac que tu fais. Voilà, merci. Je peux rien faire tant que l'échelle n'est pas relevée. Échelle, il faut faire quelques petites manipulations qui m'ont l'air un petit peu compliquées. Mais ah d'accord. Mmh.
corde à lâcher. Ah bah. On n'est pas sorti de l'aubergine. Je dois bloquer le contrepoids du côté gauche. Ah, je dois remettre le contrepoids en place. Je vais devoir m'occuper des chariots. Oui, bon, hein. Faut déjà que j'arrive à savoir par où je dois aller parce que c'est pas très clair hein, tout ce bordel. Comment ça je m'énerve? Je vais devoir m'occuper. Oui bon j'avoue je m'énerve, je suis fatigué en fait. Il va falloir que j'aille me reposer après cet épisode. Parce que voilà quoi. On va peut-être faire ça. Non je vais pas faire ça. Flûte. Bon. Ah bah oui. On le voyait moi le rebord cette fois. Je vais devoir m'occuper des chariots. Oui. Hop là. Hop là. Moi, je vais devoir m'occuper des chariots. On risque pas de se le prendre comme un idiot. Ok. Voilà, ça c'est fait. Je fais ça. Et normalement. La corde à relâcher. Et si je fais un truc comme ça? Hop. 23 mai. Plus d'un mois s'est écoulé depuis notre départ de Cuiabá. Nous avons jusqu'ici consommé nos vivres de manière méthodique et le moral est au beau fixe. L'âge de père commence à se faire sentir lorsque nous voyageons à pied. À plusieurs reprises, j'ai surpris Raleigh regarder derrière lui pour voir si nous arrivions toujours à le suivre. À chaque fois, Père lui rétorque avec le sourire que bientôt, c'est lui qui prendra la tête de notre expédition. Optimiste le Père. Ok, c'est l'autre corde qui a lâché cette fois. Mais c'était bien comme ça qu'il fallait faire. Je m'étais un petit peu trompé. Mais je fais face quand même à un problème. C'est que j'aurais dû faire autre chose autrement. Cornichon que je suis. Voilà. Parce que ce chariot, j'aurais dû le déplacer. On est d'accord. Jusque là et puis mettre celui-là à la place. Je crois que c'est un truc comme ça qu'il faut que je fasse. Ah ! Comment une énigme peut prendre un épisode complet mode d'emploi ?
Voilà, et hop, on remonte. On remet le contrepoids en place pour la troisième fois. Hein, comme on dit, jamais 203. Hein. Bon, voilà. Au moins ça avance. Oui, on est d'accord là-dessus. À mon avis, je ferai un épisode un peu plus long que prévu parce que. On est déjà à un quart d'heure. Et voilà, le coup de fin, c'est assez compréhensible. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Bien sûr, il faut que lui retombe en bas. Pourquoi est-ce qu'il est en haut alors que celui de... Il y a un truc qui cloche. Je dois à nouveau attacher l'échelle. Enfin, je trouve qu'il y a un truc qui cloche là-dessus. Ou alors il peut monter plus haut. Voilà. Je devrais pouvoir complètement relever l'échelle. Oui, Lara. Encore faut-il savoir par où grimper. Je devrais pouvoir complètement relever l'échelle. Un petit éternuement que je vous ai zappé. Ok. Ça avance. Le contrepoids est là. Ok. Voilà. Tu peux lâcher. J'espère que l'échelle est moins pourrie qu'elle en a l'air. C'est charmant. Ah, raté. Ça grince. Aïe! J'appuie sur sauter, elle saute pas. Je dois trouver une sortie. Ah, la santé se régénère plus rapidement. Bah voilà, bon, bon point. Allez, on s'en va. Et on va continuer l'histoire. Oh, encore de l'ascension. Oh la vache! Oh oh. Ça c'est de l'acrobatie, Malara! J'ai pas assez de place pour ça. Eh ben. La moitié d'un épisode juste pour faire ça, quoi. Allez, on retourne d'où on vient. Parce que là, on a déjà assez perdu de temps. Oh, encore une boîte ici. Par où? Voilà. On progresse.
Jonah! Ce qu'il est, ce cornichon. Bon. On y va, mon grand. Oula. Mais c'est pas du tout par là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oula. Je me suis perdu pendant un bref instant là. Allez hop, on y va. Tu crois qu'on va trouver quoi à Kouvakiakou? De l'eau courante, ce serait bien. Si déjà il n'y a pas de jaguar, ce sera une victoire. Pas faux. On l'avait frisé, puis... Boing. Ah, des matériaux, toujours des matériaux. Ah. Voilà un truc qui va à peu près m'aider, si je puis dire. Oh là là, il y en a des trucs là en dessous. C'est le truc que je viens de faire en plus. Allez, allons-y. Il y a une route. Allons voir ça. Je m'en charge. Installe ça là. Je veux que personne puisse passer. Je veux que toute la zone soit bouclée. Oui, chef. S'il y a quelque chose, on finira par le couper. Bon, vous m'avez pas entendu pousser mon cri, tant pis. Bravo, Jonah. Ça remonte à quand, sa dernière révision? C'est tout rouillé. On se laisse pas distraire, Mendes. Qu'est-ce qu'on cherche, juste? Tout ce qui bouge. Et aussi tout ce qui bouge pas. Ils ont toujours pas trouvé cette relique. Si ça se trouve, je vais tomber dessus. Je te sais pas. Pourquoi pas? C'est un héros. Tu serais mort, surtout. Tu me parles d'une chance. Je préfère rester là à surveiller la zone. Taisez-vous et cherchez, messieurs. Bougez-vous un peu le cul. Oui, chef. Bah. D'accord. Vous pouvez pas utiliser l'arc, mais j'ai préféré faire ça. Quoi ton équipe? Je vais voir, on les paie pas pour faire du tourisme. Faut qu'on se cache là-dessous. Ouais. Le temple principal, on connaît. Là, ce qu'on cherche, c'est des ruines plus petites qu'on aurait pu louper avant. C'est bon. Je vois pas comment on peut faire. J'ai peur qu'on le perde si on bouge. On va devoir renforcer le pont, je crois. J'ai du mal à trouver. Pourquoi t'as pas fait un test? Je te disais. Ah, je suis à peu près sûr qu'on a testé le pont en premier. Je t'emmerde. C'est pas de ma faute tout ça. Je veux peut-être tirer dessus avec le camion. Ok. Peut-être. Laisse-moi réfléchir. On peut se les faire. Ok. Prends la bouche. Je vais m'occuper d'eux. C'est quoi? Plante-toi. Dev! Samy! Ah, ces types. Je leur ai dit de commencer par le pont. Non, mais putain! Dev! Dev! Samy!
serait ça à combien de temps? J'espère qu'on sera tranquille. C'était moins une. Ouais. Qu'est-ce qui les a conduits ici? Je sais pas. C'est pas exactement le genre de civilisation que j'espérais. J'ai le bras qui gratte. C'est que tu guéris. J'en viens presque à regretter quand j'étais blessé. Oh, je comprends. J'essaye très fort de pas penser à mon dos. Tu sais, ma grand-mère a survécu à un tsunami dans les années 60. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a perdu des amis. Et sa famille a perdu son affaire. Après ça, elle pressentait les catastrophes. Des éruptions volcaniques, des tempêtes. Et d'autres choses. Une flèche incendiaire. Comment il fallait faire. Non. Ah. Ça a marché. Ah, allez. Super. Un petit feu de joie. Aïe. Ça brûle. Allez, on avance. T'as une idée de ce que pourraient être les jumelles de l'énigme? Ça peut être plein de choses. Deux monuments, des montagnes, des rivières. J'imagine qu'on sort. Ouais. Ouais, ça a légèrement bugué. Je vois des gens plus bas. J'espère qu'ils sont sympas. Je vais te laisser faire la causette. Oula. Bonjour les dialogues qui ont bugué. Bonjour. Vous connaissez un endroit pas loin où on peut passer la nuit? Comment vous avez atterri jusqu'ici? Vous avez perdu votre groupe de touristes? Non, non. D'autres gens sont passés avant vous. Ils cherchaient des artefacts. C'est vos amis? Les Trinitaires. Absolument pas. Je ferai volontiers une pause. Suivez-moi. Je suis vraiment désolée de poser autant de questions, mais le seul hôtel de la ville, c'est chez moi. On n'est jamais trop prudent. Au fait, moi, c'est Jonah. Abby. Lara. Je vous en prie, asseyez-vous. Carlos, trois. Et donc, vous êtes là pour quoi, exactement? Bah, on suivait une énigme quand notre avion s'est crashé. Ouais. Et vous vous en êtes sorti sans une égratignure? Oh, il faut dire, on volait assez bas. On est à la recherche de ruines Maya, en fait. Maya? Mais vous savez que vous êtes au Pérou, là.
Oui. Ouais, longue histoire. Ah. Merci. Mais vous avez pas franchement une tête d'archéologue ? Non, c'est elle l'archéologue, moi je fais la popote. Vraiment ? Ouais. Vous avez déjà essayé le ceviche local ? C'est notre spécialité. Faudrait trouver du poisson dans la jungle. Vous avez raté notre célèbre arbre à poisson. C'est où cette photo ? Au Mexique. Pourquoi ? Je crois que j'ai déjà vu ce symbole. Où ça ? Il y a des ruines pas loin, et un petit rocher où on peut voir un truc qui ressemble à ça. Ça vous ennuie si je jette un coup d'œil ? Ah, non, je vous en prie. Mais je vous garantis que c'est pas du Maya. Mon peuple descend des Incas, et en est fier. Oh, et si tu te reposais un peu ? T'es sûr ? Je t'ai promis un jour de repos. Je vais pas cracher dessus. Amusez-vous. Toi aussi. Je sais pas vous, mais je crois qu'il y a quelque chose entre eux deux. Collègue. Ah, je vais pas faire la blatter avec ce gars-là, puis... Une nouvelle. Va falloir vous habituer à rien faire. Même si on passe le temps en buvant et en suant. Vous n'êtes pas du coin ? Non, je travaille sur un bateau qui s'est échoué pas loin d'ici. La tempête nous a surpris. Il a coulé. Ah. Des gens comme nous. Non. Non, pas du tout. Bref. Non, je suis... célibataire. Intéressant. Créeme, es un borracho. Nunca en mi vida. Alors toi, tu es... Non, pas moi. Mes ancêtres, il y a très longtemps. Ensuite, ils ont été Quechua. Et encore après, ça se complique. Je parle même pas la langue. Ouais. Les murs ont des oreilles. Partout. Désolé, j'écoute la conversation. Bah bref, ça conclut la vidéo. Si vous avez... N'hésitez pas à vous exprimer ce soir. En j'aime pas ou en commentaire. Si vous faites les faux, sortez couverts. Et pour les soins de vous, c'était Grastis pour Shadow of the Tomb Raider. Bye tout le monde et portez-vous bien.